40 ans. Le 11 mars 1978, Claude-François mourait brutalement à l'âge de 39 ans, électrocuté dans son bain. En 15 ans de carrière, il a enregistré quelques 400 chansons parmi lesquelles un bon paquet sont devenues des tubes qui sont toujours diffusés à la radio et continuent de faire danser les Français des bals de village aux banquets de mariage. Plus grand que à lire aussi, vidéo. L'incroyable musée d'un particulier à la gloire de Claude-François d'après un sondage Louis Harris réalisé en 2003 à l'occasion des 25 ans de la disparition du chanteur. Les Françaises et les Français ont élu Belle, Belle, Belle comme leur morceau préféré de son répertoire, devant comme d'habitude et Alexandre et Alexandra. Mais qu'en est-il aujourd'hui, alors que les chansons de Clo-Clo ont été revisitées par Monsieur Pokora et que le biopic réalisé par Florent Siri, sorti en 2012, a remis en avant certains titres. 20 minutes vous propose de voter pour votre tube préféré parmi les 15 ci-dessous. Alors, vous préférez faire des moulinets sur Alexandrie Alexandra, pleurer sur le mal-aimé, ou vous égosiller sur le téléphone, pleure.